après 9 mois, je travaille en pile pour la loi respecter sous décision que je prends dans le pays. Je dis à me prendre décision, c'est parce que c'est ça que je te promets. Et si je te promets, il faut que c'est lui que je fais. Je te promets rétablissement de l'armée d'Haïti. On l'armée qui parle là pour servir chaque citoyen, pour servir chaque haïtien, chaque haïtienne qui vit dans le pays d'Haïti. L'armée ça, les pral gagnent, Jean Constitution Mandel, yon commandant en chef. C'est ça la loi dit. La loi dit, commandant en chef là, il est supposé nommer par président de la République là. Et président supposé voyer le Parlement pour ratification. Mais comme nous avons une situation spéciale, ça veut dire la MEA c'est rétabli, nous allons rétablir. C'est ça que fait, nous prenons décision au respect de la loi, dans le respect de la Constitution, pour nous nommer un état-major intérimaire. Mais nous disons état-major AI pour nous comprendre ça, ça veut dire. En attendant que l'époque où aller dans le Parlement, ça veut dire dans le Sénat républicain, pour le joindre bénédiction sénateur, nous nommons. Et nous nommons pour que, j'aime toujours dire, nous là pour respecter la loi. Constitution haïtienne est claire sur ça. Les dit l'on fin nommé général en chef là, les mêmes l'a gagné pour le former état-major. C'est ça la loi dit. Et c'est ça nous allons faire. C'est l'in a fait parce que pays ça nous passons pile temps côté n'a pas mettre loi sous côté. N'a mettre loi sous côté, nous qui bon ça mène. Ça mène nous non anarchie, ce qui presque les chroniques dans le pays. Avant que crack, c'est dans la rue tout le monde veut régler les bagailles dans le pays. Et pourtant, si nous sommes ensemble, nous respectons la loi, même gens, la loi dit, faut que l'État mette l'argent dans le budget pour financer la politique. C'est la loi qui dit ça. Donc, pile l'autre bagaille que la Constitution dit, que la loi dit, si nous appliquons, la pour pays qui est meilleur. C'est même j'en prends décision aujourd'hui pour rétablir la médaille. La médaille qui pour quelqu'un en 23 ans depuis la mère bienveilleuse. Ça veut dire la mère te mette sous côté. Mais nous ça veut dire l'on institution comme ça qui là pour un peuple fierté. Une institution qui l'a pour bailler un peuple grandeur d'âme. Une institution qui l'a pour bailler jeunesse là, l'espoir qui l'a pour créer un rêve dans la tête de chaque jeune haïtien. Et puis institution ça, pour te lever un jour, craser. Il pas dit craser, parce que l'âme n'est pas qu'à craser. Il est en veilleuse. Je dis, au bon président côté voté, jeunesse haïtienne. Lorsque tu es campé dans la pluie ou tu es campé dans le soleil, tu n'as pas le voter. Tu n'as pas le voter parce que tu es fort en promesse. Je dis, moi, mon seul choix, c'est respecter la promesse que tu fais. C'est pour ça que je prends une décision pour me rétablir la médaille. La message qui va le bailler, opportunité, le bien, recrutement qui va le faire pour jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays. Qu'a vini dans le recrutement, qu'a vini, vini membre de la MESA. Mais pas oublier, j'aime toujours dire. Nous toujours dit que toute institution dans le pays, il faut nous renforcer, mais il faut respecter la loi. La MESA, son l'armée, qu'a monté pour respecter la loi, pour respecter le droit de tout le monde. Et donc là, l'armée ça, son l'armée qui a monté, qui prend le goût, contre catastrophe naturelle, qui prend le travail pour suivre les frontières. Frontières maritimes, frontières terrestres. Son l'armée qui prend le monter
qui pral travay pou lè yon katastrofe naturel nan peyi a, la mè sa debake pou yon travay san pran souf. Son la mè kap retabli pou lal travay kont trafik imè, son la mè kap retabli pou lal travay kont trafik stupéfiant, sa ve di trafik drog, tout problèm teroriste, se wòl la mè a. Wòl la mè a, se defans teritwa nasyonal la. E, la defan teritwa ki pou konstou. Mè lè yon katastrofe naturel, par exemple, yon siklon, yon trembleman de ter. Nou wè sa k se pase. Siklon Mathieu se pase. La mè, zanmi nou yo te vin ban nou koup men. Men si nou menm nou komanse organize tèt nou, nap kle, nap kompran ke lame profesyonel sa, lame d'Ayiti a, ke nap retabli la, lame sa, lap vini pou lwe wòl sa. Paske wòl lame, nan tout peyi sou la tè, se pèmèt peyi a, vin pran plis konfians nan tèt li, wòl lame se pèmèt jenès sa travay pou emansipasyon, pou devlopman peyi a, a travè un kor ki gen disiplin, un kor ki yerachize, un kor kote se disiplin, se li menm ki bousol li. E jodi a nan peyi d'Ayiti, jenès ayisyen nan, mwen kwe ke li bezwen sa. Jenès la, li gen nesesite pou l'mache o pa, jodi a. Li gen nesesite pou l'kapab suiv tras zansèt yo. Tras disiplin nan. Tras viv ansanm nan. Tras yon remen lot la. Se pou sa nou pren gro desisyon sa, jou di, pou nou retabli la mè a. Paske la mè, se yon nan institisyon ki pèmèt tout klas nan sosyete a yon reyni. Mèm sou rouj, mèm sou noa. Mèm sou sot nan moun ou mèm sot la vil. Mèm sou pov, mèm sou rich. Depi, pou antre nan la mè a, nou tout nou egal ego. Nou retounen, paske mwen konen siye sa, kan pil moun la ki chita devan televizyon yo, ki chita devan ti pos radyo yo, pou di bon, jodi a, pou mwen pransan pou mwen dande wezidan, pou mwen komprenn byen, kouman retablisman la mea, kouman la pfe. Mè eske m sonje, Ekwater te fon, an akwak nou, da, li te ban nou gwo kout men, kote, li te resevoa, plis pase 170, jen kadre, genan yo. Se de ingenieur militer, men genan yo se de soldat teknisyen. Ki te soti nan peyi d'Ayiti, ki pran formasyon nan l'ekol militer an Ekwater, ki toune an Ayiti, e ki bay an pil kout men. Men nou konen la mea pot ko gon eta major, sa vle di la mea pot ko retabli, pa se fon pa bliye. Gon arete ke te pran ki pou te mete la mea sou kote. Legalman, fòk goun lòt arete ki pran pou retabli la mè a. Lè sa, mèsyè, dam sa yo, ki te ale an Ekwater, ki toune, si a koumanse travay nan sistem ki pi formel. Pe pa bliye, kodi jeni an, getan gen plis pase 170 militè. Kodi jeni an,
gagne plus passer 40 équipements lourd que le gagne gagne déjà. Ça veut dire l'état-major uniformé, état-major intérimaire, son état-major qui prend le travail pour augmenter l'effectif là, mais militaire ça, qui est en la rue, qui commence à travailler, qui eux-mêmes, c'est des militaires qui forment, j'en ai dit, en Équateur, eux-mêmes, ils n'ont pas intégré le corps du génie, hein, parce que c'est des professionnels, eux, déjà. Ils n'ont pas besoin d'une phase d'apprentissage pour piloter un bulldozer, pour piloter un équipement lourd, parce que ils connaissent déjà. Mais faut être clair. Faut être clair pour peuple haïtien qui a gardé nous là. Rétablissement la mer. Pas vle dit parce qu'il faut nous clair pour nous dire. Même côté que ça veut dire rétablissement la mer fait. Et puis tout le monde qui te connaît que ou t'es dans force armée d'Haïti, ça veut dire c'est aller chercher côté ou t'es un uniforme pour ni pas comme ça. C'est état-major qui a gagné lui-même, c'est Wall ça le gagné. C'est Wall état-major. Pour qu'on y a les faire recrutement pour une nouvelle armée professionnelle qui crée. Mais là, pour ça, clair, dans la tête de chaque sem et frem qui a gardé. Ça veut dire, état-major, automatiquement, que nous fin nommé. Commandant chef là, il prend le travail pour le mettre état-major sous pied tout de suite. Et puis le ça, mission pour dépendre de ça qu'on a arrêté. Mission pour dépendre de ça la loi dit, de ça la constitution dit. Mais mission ne va pas dépendre de personne. Pas de personne qui est venu pour venir dire état-major ou bien général, mais à droite pour faire, ou bien pour faire à gauche. C'est la loi qu'on va suivre. Les pour suivre la constitution. Les pour suivre ça, la loi m'a demandé pour le faire. Parce que, moi dis, je dis, l'ordre besoin de rétablir dans le pays. L'ordre besoin de rétablir sous 27 750 km² pays d'Haïti. Pour l'ordre rétabli, faut nous renforcer l'institution. Pour l'ordre rétabli, faut nous chaque haïtien, nous chaque haïtienne, cap gardem, cap tandem là, nous connaît côté droit pa yon moun fini, cela pa yon l'autre commencer. C'est ça, oui, état des droits. État des droits, ça, c'est les mêmes que nouvelle armée professionnelle, ça. Les mêmes, les pas courir dans le pays à tout. Parce que, nous disons, état de droit, c'est un bagage qui est plus important pour le développement de la société. Et c'est de l'état de droit que nous campons. Et c'est pour ça, nous avons renforcé l'institution dans le pays. C'est pour ça, nous prenons une décision pour nous rétablir la médaille qui est une institution qui s'est pi gros symbole que pays a gagné. Nous prenons décision, hein? Encore pour nous dire, pour nous rappeler tout le monde. Nous prenons décision pour que l'ordre mette dans des ordres. Nous va prendre décision pour nous tendre demain matin à travers tout le pays. Chaque monde comprend nous avons un petit mot sur la main. Son seul commandement qui a bien. Pas bien de. Un seul. Au état-major, que le commandant chef là prend la responsabilité pour le former. Et nous dit la Constitution 1987, d'accord. Et nous prenons demander service de communication de l'État pour commencer à informer le peuple sur qui genre fonctionnement de l'armée supposé faire par rapport au ministère de la Défense, par rapport à la primature, la présidence. Pour le peuple a une information claire pour le connaître que la mesa c'est pour l'ami qui l'a
qui parle là pour le faire salver. D'ailleurs, dans le règlement généraux qui était fait après la Constitution 1987, il y a un général de brigade qui est là pour responsable de l'inspection générale de l'armée. Ça veut dire, c'est des notions nouvelles qui n'ont pas gagné avant la Constitution 1987. Là. C'est pour montrer nous que je dis à l'armée que nous prenons décision pour nous rétablir son l'armée qui est là, qui peut porter l'espoir pour la jeunesse haïtienne. C'est pour l'armée qui est là, c'est pour l'armée qui peut le rétablir, qui peut la poil des problèmes dans la société. C'est pour l'armée qui est là, qui peut le travail pour alimenter division dans la société. Son l'armée qui là, qui pral, au contraire, fait l'union, fait la force là, vient en réalité. Son l'armée qui là, côté jeunesse haïtienne, non. Jeunesse là, qui a parti quitter le pays. Jeunesse là, qui a vivre, qui n'a pas espoir, qui n'a pas ouais, côté lui-même, il est capable de faire promotion tête. L'armée ça, c'est ça le vient de nous allons entrer là-dedans aujourd'hui, mais nous avons sorti pour sortir vos chefs, même gens, ça fait dans tout le pays. Son institution qui est noble, son institution qui est là pour rebâiller la jeunesse haïtienne dans la dignité. Son institution qui est là pour rebâiller la nation haïtienne dans la dignité. C'est ça que fait, nous prenons une décision pour que le déploiement de la mer. L'Ipral fait d'une manière professionnelle. Militaire va aller sous terre pour y travailler jour et nuit pour le développement pays. Parce que l'armée, dans tout pays sur la terre, c'est pour bien-être société qui travaille. Et c'est même genre décision que nous prenons pour nous former. Pour l'armée professionnelle, sont l'armée qui parle au service du développement. On l'armée qui parle là pour servir le pays. Pour servir le développement pays, on l'armée qui parle travail dans le tirage rivière, construction route, construction logements sociaux, construction bâtiments publics. Sont l'armée qui parle là pour que les catastrophes naturelles, l'armée ça parle camper. Debout pour aller aider frères nous, actionnaires nous, dans tout pays. Son l'armée qui boit là pour que leur bon problème, par exemple la mer, quoi d'aviation, les gars survoler frontières, les gars survoler frontières terrestres, frontières maritimes. Son l'armée qui boit là, leur bon problème. Pilote, yo, qu'après hélicoptère, yo, qu'après avion, yo, pour aller aider, frère nous, accès nous, dans ce pays, ya. Son l'armée quoi là, pour que médecins, yo, docteurs qui parlent dans l'armée, ça, yo, qui a intervenu, les bon épidémies, les bon besoins dans l'hôpital, en côté, les bon pile problème, qui vivent dans le pays, ya. L'armée, ça, là, pour servir nous. Son l'armée service, son l'armée qui pourra le marcher main dans la main avec paix haïtienne. Merci beaucoup.